Alors cette 3,5-300, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à courir 300 km, ou peut-être plus, sur le cercle polaire au départ et à l'arrivée de Rovaniemi, tout au nord de la Finlande. Alors les jours qui ont précédé la course, ben, en fait, j'en ai profité avec Vincent qui m'accompagnait pour faire un petit peu de repérage pour moi, pour lui, parce que j'ai le droit à aucune assistance, mais en même temps il est là pour vivre un petit peu l'aventure. On a fait le repérage du 150 km, du 300 km, et puis après bon, on a aussi testé le matériel, comme commencé à tester le fat bike un peu pour voir ce que ça donnait sur différents terrains, un peu dur, un peu mou, dans la poudreuse. On a essayé les raquettes, parce que Ludo avait acheté des raquettes pour voir ce que ça pourrait donner, si ça pourrait être une aide. Et puis faire quelques essais, parce que j'ai un futur record en vue pour 2020, et donc j'en ai profité pour faire du fat bike et nager dans une eau à 0 degré. Et ma foi, les tests ont été assez intéressants. On s'est bien amusé, on s'est bien détendu. Vincent, on a joué à l'utile et l'agréable avec des températures qui oscillaient entre moins 17 et moins 24 à l'abri. Donc parfait, grand soleil, superbe. Alors Vincent, il était à mes côtés pour cette course sans assistance, juste pour profiter, m'aider mentalement. Et voilà, parce qu'évidemment, si c'est une course sans assistance, il n'est pas question d'avoir une quelconque assistance. Voilà, maintenant c'est toujours plus agréable d'être avec un ami, quelqu'un qui me connaît très bien dans l'effort et tout ça, et donc avec qui je partage beaucoup de choses, beaucoup de temps et beaucoup de valeurs. Et donc voilà, c'était avant tout un soutien moral et non négligeable. J'étais en charge de faire vivre cette aventure via le live Facebook. Donc je filmais à différents endroits, je faisais des interviews de Ludo. Et donc... Alors la veille du départ, on était au briefing qu'on a failli rater, puisque je n'ai jamais reçu le mail comme quoi c'était pas au même endroit qu'il y a 2 ans. Et donc en allant chercher Claire à l'aéroport, Claire la journaliste de Stade 2, elle nous a appris que le briefing est ailleurs, et donc j'y suis arrivé avec 2-3 minutes d'avance, comme d'hab, voilà, pour ceux qui me connaissent. Au final, c'était un imprévu qui tombait bien. Le briefing est complètement déboussolant, le briefing. On est quand même sur une course où on est sur de l'ultra. Les gens sont en autosuffisance. Et là, le sentiment au briefing, c'est que c'est plein d'approximations. C'est ouais, vous allez passer à peu près par là. Là, il y a peut-être un danger à peu près par là. Il y a des flèches qui vous indiquent le parcours, mais peuvent être décalées de quelques cinquantaines de mètres ou pas. Enfin, c'est complètement décalé par rapport à ce qu'on peut vivre. Et ce briefing, eh ben, Vincent me disait, si je voyais ce briefing-là, il y a une chose qui est sûre, c'est que je saurais que je ne veux pas m'inscrire. Alors moi, j'ai pas eu l'idée de changer, enfin, j'ai pas eu envie de changer d'idée, mais j'avoue que le briefing n'a pas été particulièrement rassurant. Alors,
pas par rapport à l'organisation ou l'environnement, puisque ayant déjà parcouru les 150 km il y a 2 ans, je connaissais ça. Mais les conditions annoncées et la multitude d'informations à retenir et de risques, je dirais, d'être éliminés, m'ont fait, moi et puis Vincent aussi, prendre conscience à quel point c'est beaucoup plus qu'un défi physique, et qu'il allait falloir garder ses neurones actifs pendant ces fameux 300 km. Pêle-mêle des informations comme quoi un shelter avait brûlé, mais qu'on savait pas s'il y avait du feu, là peut-être que ça passerait, peut-être que ça passerait pas, que quelques jours avant la glace fondait sur quelques rivières qui étaient gelées et que faudrait plutôt passer à gauche ou à droite au 200e et puis au 250, et en fait c'est quasiment immémorisable, donc on essaye de capter un maximum de choses en se disant voilà, que le moment venu je me rappelle. Voilà, alors bon, j'avoue, ça m'a pas fait peur, ça m'a pas inquiété outre mesure. Maintenant j'ai pris conscience que c'était ça allait être quand même un point très 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 de grande vigilance, en fait, et donc voilà, j'ai pris beaucoup de notes et j'ai fait pas mal d'efforts pour mémoriser et me programmer, me conditionner à ne rien louper. Alors, la veille du départ, je me sens bien, en fait. Je suis heureux, je me suis préparé depuis des mois. Voilà. Moi j'aime quand les choses arrivent, donc là ça y est, il fallait, on y est, tout va bien. J'ai pas d'angoisse, je sais que c'est compliqué, que ça peut être dangereux, et je sais que je me suis préparé à ça et que je suis là pour ça, et donc il n'y a pas de raison de paniquer. Donc non, je me sens juste basiquement mais profondément heureux. Alors, ma stratégie avant le départ, elle est claire, hein, c'est de pas m'emballer et d'aller même plus doucement que j'avais été il y a 2 ans sur les 150 premiers kilomètres. Parce que quand je suis arrivé à la fin de ces fameux 150 où j'avais été quand même plutôt bien entamé il y a 2 ans, j'avais juste une deuxième boucle aussi longue, même légèrement plus, à parcourir, et voilà, on peut pas imaginer arriver à mi-course cramé comme je l'étais il y a 2 ans. Donc il fallait absolument que je parte sur la réserve. Donc c'est clair. Ensuite, les conditions qu'on nous annonce changeantes parce qu'il va faire chaud entre guillemets pour là-haut. On ne sera pas dans les moins 25, moins 30 que j'ai pu avoir il y a 2 ans. M'amène à de la vigilance, mais j'ai pas décidé de changer, en fait. Je veux rester sur ce que j'ai défini, et voilà, pas de changement prévu. Alors au moment du départ, on est passé de moins 24 à moins 4 degrés dans la nuit. C'est juste invraisemblable. Ma stratégie, elle n'a pas évolué. En fait, je suis atteint du syndrome de Raynaud depuis 2 ans. Et une version quand même très très forte. Voilà, tous ceux qui me connaissent et qui ont pu constater ont rarement vu des signes comme les miens, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et c'est accessoirement ce qui m'excite. Voilà, j'ai pas l'intention de me laisser limiter par une contrainte. Je peux pas l'ignorer, je vais pas jouer dur, mais ça me fait absolument pas peur. Maintenant ce syndrome il m'oblige quand même à être extrêmement vigilant, puisque je suis capable, même par 11, 12, 15 degrés parfois, de plus être capable de bouger mes doigts pendant plusieurs heures, parce qu'il y a eu un changement de température, et voilà, donc forcément par des températures négatives je suis vigilant. Et donc je décide de ne pas changer, malgré
ce soleil, pas changer de stratégie. Donc ma stratégie, c'est une grosse protection au niveau des pieds et des mains, et une faible protection au niveau du corps. Faible, c'est pas que je sous-estime la couverture, c'est simplement que je veux pas être trop couvert pour limiter la transpiration dans l'effort. Voilà, je suis prêt, j'ai tout ce qu'il faut dans la polka pour me changer et me couvrir au besoin, mais je pars pas avec la peur, je pars au contraire avec l'idée de pouvoir être aéré au maximum, d'avoir le petit frisson qui va bien, juste pour éviter la transpiration excessive. Alors, le début de la course, eh ben, il est beaucoup plus haut que ce que j'ai imaginé en fait. On commence par 10 km de ligne droite à remonter la rivière gelée. Et en fait, la rivière gelée n'est pas si gelée que ça en fait. Avec la faible température négative là, c'est mou, c'est très très mou. Donc c'est beaucoup plus mou que ce qu'on a pu repérer les jours d'avant, et c'est beaucoup plus mou que ce que j'avais connu il y a 2 ans. Et ma polka, ça a pas l'air, mais elle a pris au moins 5 kg. Et avec un poids qui oscille entre 27 et 30 kg suivant la charge d'eau que j'ai. À sortir d'une neige molle, c'est pas le même effort. Voilà. Donc je suis un petit peu surpris, mais prêt, je m'adapte. Voilà, je ne m'agace pas, je ne change pas, je ne cherche pas à tenir un rythme, je ne regarde pas ma montre, voilà, je profite de l'instant et je me dis que ça y est, j'y suis et que je suis déjà en train de vivre une belle aventure. Alors la première erreur que je vais faire, pas majeur mais quand même non négligeable, c'est qu'au checkpoint numéro 1, donc en fait tous les X kilomètres, on a des checkpoints sur les 150 km, où nous, les coureurs du 300, on passe, mais on n'a pas à se faire pointer puisqu'on a une balise GPS et ça fait aussi partie de notre gestion. On doit en permanence dire, lorsqu'on est à ce checkpoint, pour que l'organisation nous valide, on doit dire quand on s'arrête, plus de 10 minutes, quand on repart, etc. Donc ça fait partie des choses auxquelles on doit être vigilant et lucide tout le temps. Et donc là, j'arrive à ce checkpoint et complètement par hasard, je suis juste derrière, je suis 2 mètres derrière Rachel, une coureuse suisse qui fait le 300 km aussi, et elle me dit bon, je crois que je suis au checkpoint, ça sert à rien puisque nous on peut pointer d'ici et que c'est 25-50 mètres maximum de l'endroit, donc pas de problème. Et là je me dis elle a complètement raison, donc profitons de cet avantage là et on va s'éviter une toute petite butte pour redescendre derrière, et hop c'est parti, on enquille et je pars gaiement. J'ai juste oublié que dans mon plan j'étais parti avec très peu d'eau sur ces 10 premiers kilomètres pour limiter le poids tout simplement, en me disant que au bout de 10 km je ferai le plein à cet endroit, puisque à ce checkpoint il y a du feu qui est fait par l'organisation, et donc on peut faire fondre de la neige beaucoup plus rapidement que quand on fait notre feu nous-mêmes. Et voilà, donc dans ma stratégie j'avais prévu, j'ai juste oublié ma stratégie, ça va un petit peu me poser problème par la suite. On s'est très vite rendu compte qu'il était en manque d'eau, parce qu'il était parti sans charger les bouteilles thermos complètement, avec l'idée de les remplir au fur et à mesure pour pas trimballer trop de poids. Et en fait, comme il a fait une température assez élevée, même presque inattendue un petit peu pour cette région en cette période de l'année, il s'est très vite retrouvé à avoir très peu d'eau pour faire
le début de la course. Mais sinon, ça allait bien. J'ai 400 millilitres, 450 millilitres exactement, d'eau pour courir 40 km. Ça risque de faire court. Et très vite, ça fait court. Et très vite, je suis obligé de trouver un plan B, en fait. Donc le plan B, ben, c'est de faire fondre de la neige, il n'y a pas le choix. Donc pour limiter mes arrêts et le temps, je repousse, et je me dis qu'il faut que je mange de la neige. Voilà. On a tout sur place, ça c'est l'avantage. Donc j'en trouve très vite. De la bonne, hein, ou pas tassée. Je la suce, j'essaye de faire attention à ne pas prendre froid, c'est un peu bête de prendre un mal de gorge ou un mal de vide. Et puis j'essaye des techniques pour, avec le peu, les quelques millilitres qui me restent, accélérer la fonte dans mes bidons. Mais ça marche relativement moyennement, ça marche un peu, mais pas suffisamment pour la faire fondre. Et donc voilà, bah, en fait je suis parti presque 30 km à sucer de la neige. Jusqu'à miracle, je vois un pêcheur au loin, et ce fameux pêcheur qui est là avec sa femme et ses deux enfants a fait un feu. Voilà, parce que parmi les activités courantes là-bas, c'est on arrive avec 4 chaises, on fait un feu et on fait un trou dans la glace et on pêche toute la journée. Et donc je lui demande gentiment si je peux emprunter son feu. Et évidemment, il me le propose, ce qui est tout à fait autorisé, hein, puisque c'est de l'autosuffisance. Alors, c'est pas une assistance externe, personne n'est venu me demander si je pouvais, si on pouvait m'aider, etc. Mais ça fait partie de l'environnement, je vais profiter de l'environnement. Et donc, j'ai fait fond de neige, et alors là, j'ai rempli tout tous mes thermos pour avoir suffisamment d'eau. T'es à combien de kilomètres, Ludo, là? Ok. On va filer au point 5 après. C'est clair. Et puis alors, sur cette première journée, la nuit arrive, le froid tombe avec, et là je revis, quoi. J'ai trouvé de l'eau, je retrouve une température très fraîche. Du coup, comme il fait froid, la neige se durcit, ça limite quand même, ça simplifie l'effort. Ça devient pas simple, mais ça devient quand même beaucoup plus simple que dans de la neige très molle où on s'enfonce. Et puis qui fait ventouse avec la pulka. Voilà, donc là je suis bien, et conformément à ma stratégie, en fait, je m'arrête au moment où je sens que la fatigue fait que je suis plus rentable. Donc je ne sais pas exactement, mais 2-3 heures du matin. Voilà, je cherche absolument pas à lutter, à me dire faut que ça passe, faut que je fasse une nuit, etc. Pas du tout. Je sais que ce sera très long, et donc je m'arrête une heure. Et je dors une heure comme prévu, très profondément, et je repars en pleine forme. Qu'est-ce qui finalement a été marquant sur cette première journée, au-delà du fait que j'ai fait une erreur de gestion,
c'est l'état de mes pieds, puisque voilà, avant même d'atteindre les 50 km, je sens bien que j'ai un problème. Je pressens même quel sera le problème. Et pourtant, je continue. Je continue parce que j'ai cette angoisse du syndrome de Raynaud, donc je suis bien protégé au niveau des pieds, je sais qu'ils peuvent pas geler et j'aurai pas d'enjure avec l'équipement que j'ai mis. Pour autant, je sens bien que ça macère et que ça pose déjà un problème. J'arrive péniblement à poser le pied sur les talons. Voilà. Je peux plus poser l'avant-pied là, depuis 50 km. Et le talon, ça devient compliqué et je sens que je danse et que je cherche un petit peu les positions qui peuvent me permettre d'avoir moins mal. Voilà. Donc je repars sur une deuxième journée, je me sens bien, vraiment je me sens bien, physiquement, mentalement, d'un point de vue alimentaire, j'ai la gouache. Et puis voilà, je suis conscient que ma prépa a été top quoi. Donc je vois bien que je suis parti pour 300 km, mais je suis largement plus en forme que quand j'avais fait mes 150 à distance équivalente. Bah, la deuxième journée, je me rappelle pas exactement, j'ai pas de gros souvenirs de la deuxième journée, de faits marquants sur la deuxième journée. Il y a juste Ludo qui nous a envoyé un petit signal qui était un petit peu inquiétant, c'était vu l'état de ses pieds. Je décide en fin d'après-midi de la deuxième journée qu'il serait bien que je dorme 30 minutes. Voilà, parce que, encore une fois, je pourrais passer en force, mais je me sens de moins en moins rentable. Donc je me pose au bord du chemin et je dors 30 minutes et voilà, je repars comme une balle, comme si j'avais fait déjà une deuxième nuit et tout va bien. Toujours dans la poudreuse, truc qui avance pas. Petite dose de neige, on peut le voir. Ah, une flamme, on est sur le bon chemin. Et puis j'ai prévu de dormir au dernier checkpoint de la course du 150 km, précisément celui que j'ai raté le premier coup, où j'ai décidé de ne pas m'arrêter, parce qu'il y aura du feu et parce que ce sera le dernier endroit où il y aura du feu tout près. Donc il faut que j'en profite. J'ai décidé que je dormirai à cet endroit-là, à 10 km de l'arrivée du 150, donc au 140e pour moi. Je suis ivre. Je m'endors sur mes bâtons, mais vraiment je m'endors. Je sursaute comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ah oui, il était en train de faire une course. La fatigue me prend, c'est irrésistible. Voilà, je vois bien que c'est irrésistible. Et juste à ce moment-là, je croise Vincent et l'équipe de Stade 2 qui sont venus à ma rencontre, puis je leur avais dit que j'allais dormir à ce fameux checkpoint. Et donc il arrive et je leur dis c'est là. Et c'est là quoi? Et bah c'est là que je dors. Voilà, je sais qu'il faut que je dorme, je me maîtrise suffisamment, ça va être maintenant, et je vais remonter très vite. J'annonce que je vais dormir 2 minutes. J'étais prévenu et j'avais déjà expérimenté les moments de sommeil, je veux dire improvisés, où il s'écroule le sommeil et 2 minutes après ça repart, donc ça j'étais pas du tout inquiet. Donc 2 minutes, je n'ai pas le temps de sortir un matelas ou quoi que ce soit, je m'allonge à plat ventre sur ma polka et je dors 2 minutes.
et effectivement je vais dormir 2 minutes et ça va suffire à me permettre de repartir et de recourir même jusqu'au checkpoint qui est 1 kilomètre plus loin et où je vais faire tout ce que j'avais prévu. Mais voilà, quand la fatigue nous prend et qu'on était au bout, bah, il y a des symptômes qu'on peut pas ignorer. Lorsque j'arrive à Rovaniemi, je me suis bien souvent préparé jusqu'au dernier moment à ce moment-là, puisque c'est la fin des 150 km, c'est exactement le même parcours que la course de 150, donc on passe devant la ligne d'arrivée. Et il ne s'agirait pas d'être tenté de dire ah oui, mais j'ai ça comme problème, je ne sens plus mes pieds, ce qui est mon cas depuis bien longtemps. J'arrive plus à les poser comme je veux et tout ça, et puis d'être tenté de mettre le clignotant. Donc voilà, je me suis préparé, je suis fort comme jamais à ce moment-là dans ma tête. Et je passe en ignorant totalement cette fameuse ligne d'arrivée que je viendrai voir plus tard. Et je suis très très vigilant sur la zone de passage, parce que la zone de passage est une zone où 2 jours avant on m'avait hurlé après en disant ah, n'allez pas marcher là-bas, vous risquez de passer à travers là. La rivière est très dangereuse, et nous on passait en plein milieu. Donc forcément, j'ai tout ce qu'il faut entre ma prépa mentale et le risque pour être vigilant, concentré, motivé à passer au plus vite et entier dans cette zone où malgré tout je vais quand même m'enfoncer et passer quelques fois à travers. Et heureusement que j'ai l'équipement qui allait bien. Et voilà, c'est encore une fois où je suis assez content d'avoir regardé. Mes pieds très protégés, qu'ils aient macéré, c'était pas prévu, mais c'est quand même mieux que les enjeux. Alors la journée 3, on est à l'attaque de la boucle des 300 km. Donc là, sur le début du parcours, on arrive à voir un petit peu Ludo, mais les accès sont nettement moins faciles parce qu'ils longent la rivière. Sur cette première partie de la boucle des 300 km. Et nous, ça nous est assez difficilement accessible. On peut se déplacer en voiture de point en point, mais on le voit de façon assez lointaine. Et en plus, comme il y a des routes qu'on doit emprunter qui font des détours, on se retrouve à chaque fois, on a dû louper 1 ou 2 points de rencontre que l'on avait prévu et que j'avais repéré avec Ludo, parce que le temps qu'on fasse des détours, nous, pour retrouver, il avançait bien aussi à ce moment-là. Et donc, on s'est loupé 1 ou 2 points de rendez-vous et on a fini par se retrouver à la fin de la traversée sur la rivière, où il allait attaquer la montée dans la forêt. Et là, il était très bien, très très bien. Je pose l'extérieur des talons et c'est tout ce qui me reste comme zone supportable pour les pieds. Et puis, ouais, parce que ça sert à rien de se plaindre. Je les ai dans cet état. Il faut que j'avance parce que j'irai au bout quoi qu'il arrive. Donc autant se concentrer sur de la technique et puis profiter de tout ce que cette merveilleuse course et aventure nous offre. Et puis j'arrive à un shelter, donc à, je sais plus, 170 km, où il y a déjà du feu, donc ça c'est cool. Les shelters, c'est des petites cabanes, hein, où régulièrement les habitants viennent mettre du bois et font du feu quand ils se baladent. Alors, avec leur chien, à ski ou à pied. Et là, donc tout va bien, il y a tout ce qu'il faut, et en plus j'y retrouve Vincent qui est là pour me remonter le moral. Alors, il n'est pas bon du tout, mais ça me fait toujours du bien là, quand on voit les amis, ça regonfle. Et donc je profite de le voir, du shelter avec sa structure, pour faire une bonne pause. Faire de l'eau, hein, on remplit la casserole de neige.
et on fait chauffer jusqu'à ce que ça devienne de l'eau. Donc il a fait je dirais une bonne demi-heure de sommeil à peu près sur ce sur cette période là et on a pu échanger avec Alain sur l'état des pieds. Donc Alain lui a demandé de vérifier quelques points, parce que bien forcément ce qui était craint c'était des engelures. Alors après la troisième journée, elle se passe globalement bien. Hein. Bon, forcément, ça se passe pas tout seul. La poulka est toujours aussi lourde. La neige est parfois très 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 molle. Et puis genre un secteur mais terrible, terrible, terrible. Au moins 10 km où je m'enfonce entre mi-tibia et genou, quoi. C'est mou, mais mou, mais mou, mais mou. Mais, voilà. Même dans les descentes. La poulka ne veut pas descendre. Il y a 30 kg dans des descentes comme ça. Elle est scotchée. Quoi. Voilà. Donc c'est, je suis en train de lutter sur avec mon corps et avec la poulka contre une ventouse. Quoi. Voilà. Mais bon, de toute façon, tous ceux qui participent, on est dans la même situation. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Ça fait partie du jeu. Mais je dois l'avouer, c'était pénible. Et j'ai vraiment été chercher dans mes plus profondes ressources pour passer dessus et garder mon calme dans cette situation. Et puis voilà, je savais déjà qu'une fois que je l'aurais passé, j'en aurais le sourire. Mais voilà. Pendant, c'est pas facile. Et puis voilà, alors arrive la tombée de la nuit avant la troisième nuit et je commence à me sentir pas bien au niveau du bide. Très rare chez moi, très très rare même. Mais alors là, je sens que ça va dégénérer grave et ça dégénère. Je chope une gastro terrible. Bon, c'est relativement simple à expliquer en fait. Hein, c'est pas la glace du premier jour, etc. Si j'avais des bonnes bites liées à ça, ça aurait été bien avant. Non, clairement, j'ai une alimentation toute l'année où je mange des choses naturelles et sans sauce. Et là, je me retrouve à manger des plats lyophilisés. Pour la plupart, c'est bon. Mais j'ai voulu en prendre certains pour changer, et pas prendre toujours les mêmes. Avec des sauces, et alors là, déjà que je les supporte rarement chez moi en mangeant normalement, dans l'effort ça l'a pas fait, là, je suis parti à me vider, mais alors, à me vider comme jamais, quoi. Donc voilà, j'ai posé mon ben juste 7 fois en quelques heures d'affilée. Et puis on arrive en pleine nuit au niveau du secteur, enfin une traversée d'une grande rivière qu'on nous a lancée au briefing comme très dangereuse et où le parcours, enfin notre trace devait être changée puisque le danger était plus que réel. Et donc là, voilà, j'arrive avec les GPS, les idées, tout, hein, j'ai tout. Je suis hyper vigilant malgré mon mal de bide. Et là, il y a des traces dans tous les sens. Qu'est-ce que je vais prendre comme trace, quoi, voilà. Et ça a l'air de rien, mais sur une trace de quelques degrés, on peut se finir très très loin, puisqu'il y a,
je sais plus, 4 ou 5 km à traverser la rivière. Donc, donc forcément, on y quelques degrés d'écart, si on prend pas la bonne trace, ça peut vite terminer beaucoup de kilomètres plus loin. Et donc je prends mes caps, j'essaye de viser au loin, évidemment comme je suis de nuit c'est compliqué d'avoir des points de repère de nuit au loin, et heureusement qu'il y a une ville avec quelques lumières, donc j'essaye de m'en sortir comme ça, et je m'en sors ma foi plutôt pas mal, l'expérience d'orientation aidant. Ça va, il y a juste que je suis encore obligé de poser mon bled en plein milieu de la rivière, là où on nous a interdit de nous arrêter, mais bon, il y a des fois où il y a des priorités, donc là c'en est une. Juste que dans les consignes qui nous ont été données, on a dit, voilà, si là vous ne passez pas au bon endroit, vous êtes éliminé. Forcément, comme il y a la trace, le GPS, on ne peut pas mentir sur l'endroit où on est passé, c'est fait court. Donc je suis très vigilant. Et voilà. Je finis quand même par trouver, et je remonte derrière, et là je décide de dormir, sauf que je peux pas, parce que moi je m'arrête pas sur l'air. Pendant près de 2 heures, je m'endors, je me réveille en sursaut. Je m'endors, je m'arrive en sursaut. Voilà, je suis pris par les sursauts. Je suis incapable de dire si j'ai fait 10 mètres, 100 mètres entre deux sursauts. Voilà, c'est terrible, la fatigue m'enivre complètement. J'ai juste les quelques neurones qui vont bien pour me dire tu peux pas te coucher au milieu d'une rivière, il faut que tu trouves un endroit avec un minimum de protection et de sûreté. Et donc je finis par le trouver, mais bien en tant que là. Je pense que j'ai dû faire à peu près 2 heures dans un état d'ivresse absolu. Et j'ai fini par trouver. Et là je me dis bon, j'ai été loin dans la fatigue, je sors ma tente, et là je m'offre une nuit de 3 heures. Le quatrième jour, la journée a démarré, je ne sais pas si on peut dire sur les chapeaux de roue, mais là, Ludo avait terminé donc dans la nuit du 3 au 4, il avait poussé un peu parce qu'il y avait une étape un petit peu, un passage difficile à faire sur la rivière avec des détours pour des raisons de sécurité, donc il a fini de faire tout ce passage-là, et donc il se trouvait trop éloigné du prochain shelter, donc il a décidé de passer la nuit dans sa tente. Donc là il a monté la tente et il a passé la nuit dedans, et donc la nuit s'est visiblement bien passée. Le réveil a été un peu plus mouvementé parce que je sais pas si c'est qu'il l'a pas entendu ou qu'il a oublié de le mettre. En fait, son réveil ne l'a pas réveillé. Je rentre dans ma tente et malheureusement je m'endors avant d'appuyer sur le bouton enregistrer de l'heure de réveil. Et là, le réveil c'était 10h. J'ai dormi 6h quand je me suis réveillé, quoi. Et là c'est terrible, quoi. Même Louis Funès, je pense qu'il n'arrivait pas à sauter aussi haut que moi. J'étais dans tous mes états, quoi. J'ai commencé à sauter la tente, à reprendre les trucs. J'ai dit, ah, maintenant ça j'en ai besoin. Ah, maintenant, oui, mais si j'enlève la tente, je suis plus à l'abri, je peux plus me changer, je peux pas m'habiller. Ah, bah là, je vais ranger la casserole. Bah non, il faut que je cuisine. Ah, bah oui, mais j'ai pas fait chauffer l'eau. Il n'y a plus rien qu'à aller. Et là c'était terrible dans ma tête. Je m'en voulais, mais je m'en voulais terriblement d'avoir raté ça. Ce qui est bête, mais en même temps, on est dans une course. Et donc je commence à faire n'importe quoi, et là, bon, heureusement, je me rends assez rapidement compte que c'est n'importe quoi, que de toute manière, je ne vais pas remonter les heures perdues, donc il vaut mieux que je me pose, que je réfléchisse, et que je fasse très vite dans le bon ordre, ce que je réussis à faire, heureusement,
Et où il avait prévu de dormir 3 heures, ben il a dormi 6 heures. Donc, comme dirait Ludo, moi, ma première réflexion, c'était de lui dire ben, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que disait Ludo, ça, on ne saura jamais comment ça aurait été avec 3 heures uniquement. Mais toujours est-il qu'il est reparti un petit peu sur les chapeaux de roue, bien reposé. Et donc, l'attaque de cette quatrième journée, ça a plutôt été assez dynamique et ça a envoyé bien. Et du coup, ce quatrième jour, bah, je me sens bien dès que j'ai passé ma colère. ouais, physiquement, je suis au top, quoi. J'ai mal nulle part. Je sais que je peux continuer des heures, des jours. Je suis bien, j'ai trouvé mon rythme, ma technique. La neige est molle et j'arrive à la gérer quand même. Voilà, bon, j'ai évidemment plus de pied depuis bien longtemps. Mais c'est pareil, voilà, ça reste qu'une douleur, et comme j'ai l'habitude de dire, la douleur n'est qu'une vue de l'esprit, donc il suffit de voir les choses autrement, et ça devient plus une douleur, voilà. Donc je suis vraiment bien, je suis heureux. Je pense que mentalement, la quatrième journée, c'est probablement celle qui m'a offert le plus de sérénité et de quiétude. Je vois pas Vincent et l'équipe de Stade 2 pendant des heures. On est dans un endroit totalement inaccessible. Un calme et un silence, mais alors, proche de l'absolu, vide sidéral. C'est énergisant de se sentir vivant dans un endroit pareil. C'est un peu magique, quoi. C'est des étendues de neige avec des sapins. Des grands espaces sans personne. Donc là, c'est juste des décors de cartes postales, quoi. C'est, bon, entre autres, dans la quatrième journée, mais il en avait déjà eu aussi la veille, il a beaucoup de passages, en fait, dans cette deuxième boucle des 300 km, où ils sont dans beaucoup de passages de neige assez profondes. Et où tirer la poulka, ça devient un effort physique relativement intense. Et puis après une quatrième journée, il y a une quatrième nuit, donc elle est tout aussi magique que la journée. Je suis dans l'immensité comme jamais, je suis dans le calme comme jamais. Et il y a, alors il y en avait déjà avant, mais là, des aurores boréales, c'est la soirée de l'aurore boréale. Il y en a de partout et j'aimerais tellement les partager avec les amis, avec les gens, mais il n'y a rien qui peut rendre ce qu'on voit. J'en vois toutes les couleurs, toutes les tailles de partout. Ça apparaît, ça disparaît très vite. Non, c'est vraiment chouette. Et puis, d'un point de vue sportif, ben je suis bien. C'est probablement l'effet de mon arrêt de 6 heures imprévu. Mais pour le coup j'avance beaucoup plus dans la nuit que la nuit d'avant. Et puis ces prémices de la fatigue, ils finissent par arriver. Mais ils arrivent en plein milieu d'un lac. Parce que sinon ce serait pas du jeu. Et donc là pareil, encore la même chose, je m'endors sur les bâtons, je me réveille en sursaut, je suis où, je suis quoi, je faisais du sport. Et je suis toujours incapable de savoir si j'ai fait 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres peut-être, je pense pas beaucoup plus. Entre deux moments où je m'endors, ben, j'avance comme un robot. J'essaie de me concentrer, à pas faire d'erreurs, à pas oublier les endroits où je dois pointer avec ma balise parce que j'ai pas prévu de revenir en arrière, et puis à pas me tromper dans le parcours, dans l'orientation, etc. Ben, le côté physique, je me suis mis en mode robot et je réserve le peu d'énergie qui me reste à mes neurones pour pas me tromper. Et puis je finis par traverser ce lac
et trouver une zone qui me convient, vraiment pas loin du lac. Je me couche, je prépare mon truc, le duvet directement dans la neige comme si j'avais peur que la tente me refasse un sale coup. D'un coup sur mon téléphone, donc là je suis quand même surpris, et donc Alex m'appelle parce que il voit plus ma balise. Première idée dans ma petite tête, il va pas m'éliminer parce qu'il voit plus ma balise. Il écoute le téléphone et il me dit écoute, réinitialise ta balise, j'ai pas de nouvelles. Je réinitialise ma balise et il me dit c'est bon. Et là je lui dis bah écoute, là d'après ce que j'ai calculé, j'arrive dans à peine 30 km. Il dit non, t'en as 43 ou 44, je sais plus combien il dit. Et je dis bah non, Alex, je sais où je suis, faut que tu réactualises le GPS, c'est toi qui n'as pas le bon endroit, moi je sais où je suis. Et il me reste 30 km. Il dit non, la course elle fait 314 km. Et moi dans ma tête j'avais commencé le décompte. 30 km c'était fini, 30 km. Pff, ce que j'ai fait, c'était bouclé quoi. Et donc j'étais déjà en train de penser à l'heure où j'allais arriver, comment j'allais m'alimenter, j'avais calculé le nombre de ravito que j'allais faire, où j'allais faire du feu, comment j'allais danser à l'arrivée, voilà, j'étais comme n'importe quelle arrivée, on est déjà en train de projeter si près du début. Et là, je parle dans les tréfonds, là, je suis au cinquième sous-sol, en quelques secondes, il m'a tout fait chuter. Je suis toujours dans ma neige molle, mais j'arrive plus, quoi. Mentalement, j'arrive plus. Ça... 14 km, j'essaye de traverser en heure, ça change tout, je vais arriver de nuit, machin, etc. Enfin, il n'y a plus rien qui colle avec mon plan. Et là, c'est terrible, je suis au fond du truc. Et je suis au fond du trou, et alors que ça fait des jours que je cours sans rien, profitant du silence, je me dis là c'est le moment. Alors, je sors mon téléphone et je cherche. Je l'ai pas, c'est pas possible. Et donc, allez, je regarde, coup de bol, il y a internet. Je vais sur internet et du coup, je mets à fond la musique de Magic System, Tu es fou, qui évidemment m'accompagnait chaque jour du défi 41. Et là j'avais la tutelle, et je chante et jure tout ce que j'ai. Et voilà, j'essaye de rentrer en communion avec tout ce grâce à qui et pour qui je suis là, et tous ces souvenirs si forts qui m'ont aidé à me construire. Et ça marche. Je me remets, alors je suis au cinquième sous-sol, je me remets à courir. Je traîne ma poulka, je la mets devant moi pour que ça aille encore plus vite, mais j'ai l'impression de courir un 10 km tellement je suis revitalisé quoi. Et c'est complètement fou parce que je suis pas un adepte de la musique, j'aime écouter mon corps, etc. Mais là j'ai senti qu'il le fallait. Et puis bon, celle-ci elle marche toujours. C'est la petite à dégoupiller en cas de couillure. On est remonté sur la fin du parcours des 300 km avant que Ludo n'atteigne la rivière, puisque en fait les 300 km empruntent la même partie que la fin des 150 km. Il y a une dizaine de kilomètres à faire sur la rivière. Donc là on est remonté un petit peu en amont quand Ludo est encore dans les bois. Et bon, avec l'équipe de Stade 2, donc avec Christophe, on part à pied à sa,
à sa rencontre. Et donc on a fait un petit bout de chemin avec lui. Bien, il est bien à ce moment-là. Il a récupéré parce qu'il a eu un moment, il a eu un moment difficile où quelques moments auparavant il était un petit peu au fond du trou, fatigué, certainement un peu marre, les pieds certainement aussi qui où ça commençait plus de la douleur que de la gêne. Et là, il a mis sa musique fétiche et derrière ça lui a ça l'a reboosté. Donc nous, quand on l'a rencontré avec Christophe, il a avancé à bonne allure. Et il était bien. J'arrive au dernier checkpoint. Le dernier checkpoint où il n'y a personne, mais qui était le dernier checkpoint du 150. Et là, il y a 10 km. Ça y est, j'y suis. Il reste 10 km. Et là j'avais prévu d'envoyer, ça envoie pas comme je veux parce que la neige elle est molle. Elle est molle. Elle est molle mais j'avance. Et puis bah, ces 10 km, même si j'avance plutôt bien pour quelqu'un qui a déjà passé plus de 300 km à courir, malgré mes pieds que je n'aurais même pas imaginé, je suis physiquement très bien. Mais à 5 km de l'arrivée, j'ai un coup de mou, mais un coup de mou taille, pas, tombe sur le nez d'un coup. Pas le temps de le voir arriver, là je me pose. Je m'assois, je mange, je dis bon, bah, c'est là, c'est ce moment-là. Je regarde au loin, je vois cette lumière là-bas, ce halo de la ville, mais il me paraît tellement loin, 5 km, c'est énorme. Et donc je me dis, allez, concentre-toi, monte-toi, ne gâche rien, tout ça, et donc je prends mon temps. Je prends 10 bonnes minutes pour bien manger, bien me requinquer. Et puis je repars jusqu'à la ligne d'arrivée où voilà, il n'y a plus d'arrêt. Plus j'avance, plus l'émotion intérieure monte et plus j'ai envie de la partager. Quoi. Ludo avançait à bon train parce qu'il était. Avant ça, il était à plusieurs kilomètres de distance des deux personnes qui le précédaient. Au milieu, je dirais, de la rivière, quand on était à 5 km, on avait déjà fait un gros rapproché et on a dû terminer à peu près à peine 1 km de l'arrivée. Donc de 5 à 6 km de retard, ou 8, je ne sais plus exactement, on finit 1 km. Donc pour dire que la dernière partie a été faite à un bon. Comme prévu, c'est de la danse. Je peux pas imaginer arriver autrement qu'en dansant, parce que danser, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est la fête, c'est la victoire, c'est les souvenirs du défi, c'est tout ça. Donc forcément, ça se passe comme ça. Et puis voilà, il y a Rachel qui est là à l'arrivée avec Alex, qui va me remettre une belle médaille en bois. c'est le seul trophée qu'on a, mais. Il est très largement suffisant, il n'y en a pas besoin. En fait, on est là pour vivre une aventure, on n'est pas là pour ramener le coup pour les t-shirts. Alors, arrivé un petit peu étrange, c'est un petit peu comme avec le briefing, mais là, pas avec le même sentiment d'amateurisme. Hein, et je m'en excuse auprès d'Alex parce qu'il ne mérite pas qu'on le traite d'amateur au sens péjoratif du terme. Mais l'arrivée est improbable quand on arrive sur une course qui est quand même un ultra. Où quand même seuls des athlètes aguerris
peuvent participer et terminer. Et là, l'arrivée ben, se fait au bord de la rivière. Il est là tout seul. Avec, il y a quelques athlètes qui ont déjà fini la course qui viennent voir pour accueillir les copains aussi. Mais il n'y a pas de faste d'une arrivée d'une grande course. Il est là, il félicite les gens, il leur demande comment ça s'est passé. Il leur remet leur médaille. Et il leur, en gros, il leur dit bah, à bientôt. Et puis voilà, le protocole d'arrivée est terminé. Et puis je sais qu'il y a une belle victoire qui va avec. C'est que j'ai rendu tous mes kilomètres interrompus pour 10 euros pièce pour redonner de l'argent à deux associations qui luttent contre les maladies orphelines. Et donc, voilà, ça me remplit de satisfaction à jamais. Le seul moment où j'ai pu être inquiet, c'est un petit peu avant le départ de la course, comme je l'ai dit tout à l'heure un peu en avance, c'est l'état du mollet. Hein, je me demandais si ça allait tenir. Donc ça, j'étais assez vite rassuré parce qu'au bout de la première journée, il n'en parlait plus. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était certainement plus une gêne qu'une douleur. Et ça, il n'en parlait plus. Après, le moment d'inquiétude, ça a été vis-à-vis de l'état des pieds. Et puis, évidemment, mes pieds me font souffrir dès que j'y pense. Donc le mieux, c'est que j'y pense pas trop. Et à peine ils essayent de se rappeler à moi, je suis tellement en train de penser à ce que j'ai pu vivre, à ce qui m'attend, que voilà, c'est déjà passé au second degré. C'est pas un souci, même si... Bon, là, on aurait quand même tous peur quand j'ai enlevé, les chaussures et les chaussettes. Et si j'ai effectivement chopé des enjures au niveau au stade 1, donc ça va, c'est récupérable. Il m'aura fallu un peu de temps, mais ça se récupère. On passe largement au-dessus de tout ça. Thank you.
Thank you.